Monsieur le maire Éric Jalton, madame la présidente du conseil départemental, monsieur le représentant du conseil régional, monsieur le député de la première circonscription, mesdames et messieurs les maires, les représentants de toutes les communes, les représentants d'associations, les représentants des forces vives, des militaires, du 10, et toutes les personnes que je n'ai pas vues, mais toutes les personnalités présentes ici. C'est un vrai plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui, à vos côtés, chers amis des Abîmes, à vos côtés, monsieur le maire et l'ensemble du conseil municipal. C'est important pour moi aussi, parce que grâce à Frédéric Jalton, j'ai été membre du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale dans les années 89-90. Et je crois que quelque part, si je suis aujourd'hui sénatrice, c'est grâce à la confiance qu'il m'a faite à l'époque et grâce aux Abimiens. Parce que je n'oublierai pas qu'en 1989, quand il y a eu le cyclone Hugo, eh bien avec Mme Casimir, avec Rosan Fanon, avec M. Adelo, avec Mme Veila Yondon et toutes les personnes du CCAS de l'époque, nous avons sillonné les abîmes pour tout faire afin que toutes les familles qui avaient eu des difficultés, particulièrement pour leur logement, aient eu un recours à ABC ou Trinia, c'était les deux sociétés qui proposaient à l'époque des logements. Donc je ne peux pas oublier aujourd'hui, en qualité de parlementaire, d'où je viens. J'ai une pensée particulière pour toutes les personnes qui sont ici présentes aujourd'hui, mais pour aussi Andrea Cécé Farouille, qui était première adjointe au maire. Je souhaite vraiment qu'elle soit toujours aux côtés de la famille Jalton, parce qu'Andrea a beaucoup fait à l'époque. Et c'est grâce à elle que j'ai été responsable des parents d'élèves des Abîmes, à Grand Camp en particulier, et j'ai fait un parcours qui m'a emmené ensuite à la présidence de la FAPEG. Donc je n'oublie pas, j'ai une très bonne mémoire, je sais tous ceux qui ont fait du bien, qui m'ont fait du bien et abîment mon amour, eh bien, c'est aussi cela. Et c'est pour cela que j'ai tenu à être ici présente aujourd'hui. Donc je vous remercie une fois de plus, monsieur le maire. Je suis parlementaire, c'est vrai. Les Guadeloupéens ont voulu que je sois parlementaire. Et tous ceux qui ont voté pour la liste sur laquelle je me trouvais, je pense que je ne les déçois pas aujourd'hui en menant à bien toutes les mesures que je souhaite faire pour mon pays, pour la Guadeloupe d'abord, et ce sera toujours avant tout pour la Guadeloupe. Jamais je ne me mettrai à genoux, et même à quatre pattes, ni même à plat ventre, pour demander des choses qui sont contraires aux valeurs des Guadeloupéens. Jamais je ne me mettrai à plat ventre ni à quatre pattes pour demander des choses, pour réduire à jamais la population et faire en sorte que les Guadeloupéens soient toujours les en bas. Quand on est en politique, il faut savoir réfléchir, il faut savoir analyser, il faut savoir prendre la mesure de chacune des décisions que l'on prend pour sa population et avant tout pour sa population. Et c'est ce que Frédéric Jalton a fait. C'est ce que tous ceux qui ont voulu du bien pour la Guadeloupe, je ne les citerai pas tous, mais il est exemplaire. Et j'ai tenu à être aujourd'hui ici avant tout pour lui et ensuite pour son fils Eric qui continue son travail ici aux Abîmes. Vous n'avez pas le droit de faire de mauvais choix. Même si certains de mauvais augure, des oiseaux de mauvais augure qui sont assis ici même. Et pendant qu'ils sont assis là, ils envoient des WhatsApp pour inviter des gens chez Zial. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Si vous voulez manger avec vos amis, allez les inviter là où vous les invitez, mais vous êtes ici. Eh bien moi, je voudrais que vous soyez témoin de ce qu'on veut pour son pays, quand on est franc, quand on est honnête, quand on veut du bien pour son pays, eh bien, on choisit le bon chemin. Il faut savoir choisir la bonne voie. Je ne serai pas très longue, mais je tiens aujourd'hui à vous dire que Abîmes mon amour, c'est important que maire puisse déclarer son amour à sa population. C'est important qu'une population sache entendre
qu'on l'aime et qu'on aime sa commune. Parce que bien souvent, ce n'est pas le cas. Il n'est pas là pour lui, il est là pour nous et pour chacun de nous. Alors, aujourd'hui, je ne suis pas dans une conférence, mais je suis venu quand même pour vous dire que j'ai tenu à être ici parce qu'on ne peut plus continuer à être des hypocrites en permanence. Nous devons aimer notre peuple, nous devons aimer notre population, nous devons défendre notre population. Et tant que nous allons faire l'hypocrite, eh bien, notre population continuera à souffrir. N'acceptez plus la souffrance. Acceptez les gens qui vous aiment. Acceptez ceux qui veulent travailler encore pour vous. Nous ne sommes pas là pour faire du nombrilisme. Nous ne sommes pas là pour faire pour nous. Nous sommes là pour faire avec vous et pour vous. Merci beaucoup.